Bonjour Souka, bonsoir. Comment est-ce? Moi vraiment content avec vous asseoir. C'est toujours un plaisir pour que moi recevoir dans émission Boucanter la parole. Comment nous est professeur? Eh bien, tout d'abord, la remercie Henri de ce que vous avez nous la parole l'avant-veille. Votre théâtre, livre, l'orédition, livre, de domination des États-Unis sur Haïti, qu'a fait de vendredi et samedi dans le centre culturel Brésil-Haïti, au prix de 1500 gouttes de 9 h à 4 l'après-midi pendant les deux jours. Et nous très contents, donc, dit tout le monde, que son livre que nous avons fait en 2015, pour marquer le 60e anniversaire du débarquement militaire américain, premier débarquement. Mais nous ne parlons pas de nous-mêmes de l'occupation en 1934 seulement, parce que pour nous-mêmes, domination américaine, nous commençons. Il y a une image finie. Son domination qui est flétile, qui pénètre dans tout aspect dans la vie nationale de l'Haïti. Et c'est ça que fait, nous avons fait appel à un spécialiste qui abordait la domination Sahara, tant sur le plan culturel, éducation, militaire, agricole, religieux, économique, financier, et du point de vue minier et tout, et formation diaspora, du point de vue formation humaine, surtout. Donc, c'est un volume qui est une contribution collective, et c'est nous-mêmes qui dirigeons le travail Sahara. Les textes d'introduction, hein, montrer sous qui ça, hégémonie américaine, dans le sens de l'Ichita, pas idéologique, instrument politique, que l'utiliser, instrument militaire, tout, le gros bâton, la diplomatie du dollar, la lutte contre le communisme, et puis maintenant la menace islamiste. Donc, c'est tout ça, c'est dans ça, et que comme le public l'a demandé, après la première édition, de nous réguler plus et trop vite. Nous faisons des amis de ça, et François, nous pourrons plus porter le tabouret. Ça veut dire que nous pourrons faire des vaccinations au Caire, au Malais, au Cap, et tout l'autre côté, même le diaspora, tout qui a demandé que nous finalisons ça. Donc, la seule question, pour gagner. C'est ça. En tout cas, est-ce que vous déjà avez un calendrier? Et différentes régions d'un pays que nous avons pour nous arriver, ou bien c'est Port-au-Prince d'abord, et puis de temps en temps, si vous demandez, nous avons fait de l'autre zone d'un pays. Aujourd'hui, d'abord, Port-au-Prince et Pétionville, vendredi 31 et samedi 1er avril, la culture est visée là, à la place de Moyen, de 2h à 4h. Maintenant, pour rendez-vous qui est sérieux, nous pouvons aller le vendredi 28 avril au Caire. L'université épiscopale, là, à partir de 5h de l'après-midi. Ensuite, nous allons aller au balai, côté que la plaque, le 16 ou le 17 mai, dans le local tribunal, là, dans Barroa même. Et puis, nos négociations, là, pour peut-être la mi-avril, ou la deuxième semaine d'avril, nous allons aller pour nous, si nous sommes capables de faire au cap haïtien. Pour l'autre côté, nous allons travailler. Oui, parce que en pile, mon a coûté émission Port de Paix avec Plateau Central. Monsieur, que n'a pas qu'un contact pour nous si gagner des mounes dans zone qui est capable même planifier et arriver au dans zone. Parce que chaque côté passé, est-ce qu'il y a tout gagné possibilité pour gagner en conférence côté que des jeunes capables assister et puis poser question tout ça. Ce c'est la grande différence entre Port-au-Prince et Port-au-Prince. Parce que d'abord, on peut être vendredi et samedi, il n'y a pas de conférence, il n'y a pas de votre signature. Et la province, il y a une conférence suivie de votre signature. Ok, ok, ok. Donc, pour nous-mêmes, c'est très important, Plateau Central, là, aujourd'hui, hein, parce que Plateau Central, c'est le pays, Charlemagne, Péral, Pêche, Benoît, Brasil, Mirvalet. Donc, d'après Mirvalet, dans le pays du Benoît, comme il dit à la mi-mai, ben, pour Pêche, nous pouvons joindre un groupe solide. Qui pour pas ça en main, qui pour éviter tout pour organiser par une mèche. Très bien. Ça se fait extraordinaire. Ou a perdu onde, professeur? Ou a perdu onde? Est-ce que vous avez là? N'dando là. Ok. Donc, comme je dis, on peut être de l'Ech. C'est pays Charlemagne Péral, qui est le leader de la résistance armée. Signal FM. La plus connue à l'occupation. Je vous ai souhaité que nous prenions mon Ech et bien gagner au groupe solide qui pour ça en main.
Nan mi balè a yon problème. Très bien. Bon, et me souhaite port de paix et bon, gen plusieurs et institutions qu'a côté dans zone ça yo suivi à essayer fait. Nous va laisser quand même ba un numéro de contact tout à l'heure dans fait entrevue a qui a permettre que mounyo capable rentrer en contact soit avec ou même ou bien avec bureau communication pour que ensemble yo capable essayer garder et planifier ça. Bon, jodia c'est 29 mars professeur Souka, ça fait déjà 30 l'année. Depuis que vous êtes en pile, vraiment en pile haïtien qui te prend la rue pour aller dire oui avec la Constitution 1987. Vous êtes en pile tous des jeunes qui, jodi à côté mission, qui ont 30 à 35 ans, qui n'ont pas de éléments d'information, qui n'ont pas de présent d'une part. Et malheureusement, nous avons un problème d'archives et histoire nous presque à l'oral. Est-ce que vous êtes capable, pour un pile monde qui a côté là, pour certains faits, on rappelle, mais pour l'autre monde, dis-nous, comment ça t'est passé? Comment nous t'est arrivé dans la question Constitution 87 là? Bon, d'abord, il y a le fait que dans les constitutions que tu vas laisser faire avant de tomber, c'était Constitution 83, qui était encore une fois consacrée. Professeur Souka. Oui. So ap di a tellement important, j'ai l'impression m'ap relo sou l'autre numéro apito parce que l'autre là toujours pi clair. An pou ti pose 16, professeur est avec nous. Ouais, différence ancien bon, toujours bon. Mais ça c'est comme celle, je l'ai dit, celle liée. Oui, comme celle de la belle époque, 402, oui. Ça montrait que c'est de la belle époque. C'est pas toujours du téléphone ça là. Oui. Oui. Alors, effectivement, le duval est tombé. Dans les constitutions de faire, qui est la constitution de 1983, c'est toujours qu'imbé la question de la présidence à vie. Mais dans l'œil tombé, je me songeais aussi tout le monde, c'était face à face au président chaque 4 ans, c'est comme ça le dit. Pour y aller, M. Militaire, lancé question formation. Et constituant pour réfléchir sous constitution. Hein. Et puis, bon, au début, t'es une sorte de monde qui t'a boudé, monde t'a poussé à bouder, mais à la longue, tout le monde a pris dans le processus là, suggestion d'absorption à droite à gauche. Et c'est comme ça que l'Assemblée constituante là vient former, vient faire travail. Et il y a appelé à la constitution de la radio, on a critiqué, on a fait la suggestion. Et finalement, vine mon date qui est fixée pour le référendum. À savoir le 29 mars 1987. Mais pour ça, ça que t'as pour porter à pile monde voter constitution, hein, c'est que non seulement il t'a aboli la présidence à vie, deuxièmement, il t'a instauré un régime mi-présidentiel, mi-parlementaire. On était toujours marqué, traumatisé par le fait du pouvoir total dans mon président. Donc, était en quelque sorte, si nous employons l'expression ça, j'étais hein, tellement mis de contrôle sous présidence là, j'étais presque châtré. Et puis, je viens presque tomber dans l'excès contraire, je viens dans le Parlement en genre trop le pouvoir. Mais, à l'époque, il fallait bien comprendre qu'après les 29 ans de Duvalier, en fait, pouvoir en main au président, que le président c'est l'incarnation du gouvernement et de l'État, il est tout, eh bien, Mounio Tevlé, Fina Baraisa, et puis dans l'histoire, il s'est relé le mouvement du pendule. Ça veut dire que l'on peut vivre nos excès pendant longtemps le subir, mais une laguer l'autre excès, hein? Ça veut dire que les vignes ont en constitution. Il sortit nos constitutions qui consacrent une dictature, il allait dans nos constitutions ultra-libérales, pour devenir émettement nos paquets d'institutions qui pour contrôler le pouvoir. Mais l'article qui parle surtout fait mon mettre en brûle, c'est l'article qui dit ma coupe à la donne, pratiquement, pour te banni pour 10 ans, et du valériste zélé de tout poste, électif surtout. Maintenant, à l'époque,
bien sûr, moi qui t'a réfléchi, je te gagne conscience que la Constitution a gagné des problèmes là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait dire oui ou est-ce qu'il fallait dire non? D'autant plus qu'à l'époque, moi, je me très bien, c'est qu'une information qui te dit que M. le militaire, pour qu'il ait le pouvoir davantage, attend que tu as souhaité que le monde vote non, et puis le Sahara, ou encore une fois prolonger le débat sur l'affaire constituante là. Donc, quand on s'attend le secteur démocratique là, c'est qu'on n'a pas qu'une discussion. Finalement, pour les gens qui viennent pour une position claire, je les sais très bien, qui peut être favorable à un vote pour constitution, hein? Le vote oui, c'était des soeurs René Théodore du Parti Unifié des communistes haïtiens PUCH. À l'époque, qui était le local, li, eh bien, en bas, qui tout peu prison. Hein? Après ça, un peu René Théodore, deuxième organisation politique, qui était en pile poids, toujours à l'époque avec le PUCH, c'était Conacom, qui était fait former. Il vient dire, bon, les nous garder, nous peser, nous supposer. On a corrigé ça, il faut corriger. Il devant. Mais en attendant, il faut sortir de l'étape ça. Il faut d'abord nous reconstitution et ensuite nous aller dans l'élection. Mais qui genre étape était définie. Élection, constitution, on a voté. Constitution, c'est lui-même qui permet qu'on gagne pour la première fois au conseil électoral. Ça veut dire que l'élection, ce n'est pas le gouvernement qui a fait encore. Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur. La Constitution a créé un quatrième pouvoir, qui est le pouvoir électoral, constitué par différentes organisations de la société civile, la presse, les coopératives, etc., etc., l'Église protestante, l'Église catholique et tout. Première étape, là, nous avons voté. À partir du moment que nous avons voté, nous avons permis de mettre sous pied un conseil électoral. Le conseil électoral a fait élection. Et puis qu'on est là, puis devant, on a corrigé ça, on a corrigé. Et c'est comme ça que le raisonnement est fait. Et que ni PUCH, ni CONACOM, et de l'organisation, une machine analogique là, et qu'ils ont demandé Mounio, joue ça, joue dimanche 29 mars ça, où ils ont habillé en blanc, était vrai dit que Mbral votait oui. C'est comme ça donc. Pour une gagner une foule immense qui n'est pas l'arrière de ça, donc. Et résultat, une baille. Signal FM. C'est que la Constitution a voté. Ensuite, quand j'ai voté, on dirait que M. Militaire, effectivement, on dirait que l'information tactique le disant que je te souhaite que le monde ait voté non. Hein. Le gouvernement militaire, il était gagné appui les États-Unis, très sérieusement. C'était les États-Unis de Reagan. C'était encore la guerre froide. Et mouvement Hachemayok là, M. Militaire, très rapidement, vient porter lutte politique là sur le terrain de la violence. C'est-à-dire commencer à tuer le monde. Sérieusement. Or, vous avez moyen, même si vous avez pour t'assurer sur le terrain, ça. À ce moment-là, vous venez rendre compte que mouvement Hachemayok là, qui fait du grève, violente, sauvage, manifestation, et pas de résultat escompté. Et à ce moment-là, nous venons changer tactique, nous venons dire, nous prenons lâcher Mayotte dans l'élection. Nous prenons lâcher Mayotte dans l'élection. C'était mot d'ordre là, ça. Nous avons un virage qui vient prendre. Et puis, qu'on est là, nous venons gagner la formation du Front National de Concertation, qui parle de gagner Gérard Gou comme candidat. Là, M. le militaire, où est que FNC a gagné l'élection avec M. Gou, on est là, il fait massacre le 29 novembre. Joue l'élection même. Et c'est depuis lors que, qu'on blocage terrible qui vient de bail à mouvement démocratique. Là. Donc, on est capable de résumer pour nous à peu près. C'est comme ça que je vais résumer pour nous à peu près ce qui s'est passé
et dans l'année, c'est un véritable tour dans ça, qui est l'année 1987. Mais d'ailleurs, moi, quoi que me raconter et analyser, dans le livre, moi, qui est les 16 ans de lutte pour un pays normal, 1971-1987, que je reproduis dans tome 3 des entretiens avec l'histoire. Maman, tu as une question, Henri? Question que je voulais poser, c'est que qui ça que t'ai expliqué que en pile monde malgré yo t'ai estimé que constitution te gagne des problèmes là-dedans et de fait constitution te gagne problème là-dedans. Est-ce que c'est parce que pas de gagne trop espace, pas de gagne des médias ou bien moun yo t'ai gon certaine peur qui fait que au départ yo pas tout essayé corriger ça que t'ai de corriger avant même que yo t'ai fait référendum jusqu'à ce que pour voter constitution hein, avec toute imperfection que nous connaissons les gens. Ce n'est pas possible dans l'époque ça. Parce que son période, pas oublié. Bon, par contre, aux gens, j'ai un petit garçon, je ne dis pas l'âge que tu as à l'époque. Je là, les ça, je là. C'est ton période qui t'a rempli d'émotion là-dedans. Duvalier fait caler. Tout ça qui te semblait de près ou de loin à Duvalier, t'es fait pour te rejeter. Pour ça le tenir. Donc, monsieur militaire, qui au cap mené jouette là, laisser poser problème là, la constitution est à point noyé à travers un référendum. Et comme je l'ai dit, les gouvernements ne sont pas la suite, je connais la constitution, il y a un problème. Donc maintenant, c'est sûr que par le paquet de débat et que la constitution pourra le rejeter. Ce qui pourrait permettre de faire encore beaucoup plus de temps au pouvoir, alors que, depuis juillet 1986, les côtés déjà battent 2 ans. Carrément dans la vie PIA pour mener PIA vers des élections. Donc, comme je dis, le calcul qui devine fait, c'est que je continue sur IA là, n'a pas voté. Vous cantez la parole. En d'autres mots, en d'autres termes, quand je parle à dire en créole, n'a pas réalisé militaire. On est à la fini que l'élection, fini que la constitution, fini de voter, qu'on est à pas le conseil électoral qui prend le fait élection. Et comme le secteur démocratique a des sentiers forts, des sentiers puissants sur le terrain, hein, et des sentiers très populaires, nous sommes sûrs que le candidat a poussé à ce qui est bon, et puis plus devant qu'on y a là, nous va amender, ça qui est pour amender la Constitution. Qu'on y a, regardez, professeur, constituant, sur qui base vous avez choisi? Gagnant, ce sont des associations, si je me souviens bien, qui étaient voués, gagnant, c'était monsieur militaire qui choisit. Ah bon, ça, c'est intéressant. Regarde, yeah, c'est militaire qui choisit. Tranche ça, je crois que si on parle avec Georges Michel, et qui était constituant, à l'époque, qui écrit d'ailleurs sur ça, il est capable d'approfondir la question ça, puis bien encore avant. Ok. 30 ans après, qui ça, ou qu'a retenu, qui s'est dit de constitution haïtienne? Elle n'a jamais été appliquée. J'aime aucune application faite de lui, du tout. À chaque fois qu'on a besoin de faire la constitution bon pour lui, il y a un parti là-dedans. Et le coup, il n'y a pas bon pour lui, il met le sous-côté. Je me souviens de la déclaration René Préval qui dit que la constitution haïtienne, c'est source d'instabilité. Mais René Préval, c'est un monde qui ne peut pas voter la constitution en tout. Parce que ça, René Préval, pas de jamais dit. C'est que René Préval, avec Aristide à l'époque, C'était Maras à OTE en 87. Ils ont joué pieds et mains pour la Constitution, pas voter. Parce que le calcul de c'était radicalisé. Pousser Bagayo à l'extrême de façon à ce que, pour être capable de renverser le régime militaire par la violence. C'était thèse, M. Sarosa. Donc, René Préval n'a pas rien qu'à dire dans sa Constitution parce que les partisans étaient pour la Constitution. Et deuxièmement, même quand il est président, quel prêtait serment sur la Constitution, il n'y a pas de faire pour l'appliquer le tout. Et qu'on y a là, et ça c'est l'aide dit là, moi-même personnellement, je démasqué monsieur, je dis qu'il est très mal placé pour te parler que la Constitution a son sous de stabilité, parce que pas de faire rien pour ne gagner. Deuxièmement, comme président, il n'y a pas de faire rien pour appliquer. Et qu'on y a là, l'aide pour aller essayer d'amender. Donc, le sénateur Steven Benoît a dit,
c'est un véritable cas déjà qu'on viole qui t'est fait, je ça. Hein? Côté déjà la sol de Préval, font bagaille en mal macaque, font soupchat, que eux, l'amendement, et puis qui mettent pays à la plus problème que nous, parce que nous avons un peu de là, vraiment vrai. Si nous base constitution amendée, si nous base constitution 87, en un mot, au lieu que vous résolvez les problèmes, vous aggravez. Jodi a, opinion sous constitution. Faut constitution t'a changé, faut t'a fond l'autre constitution, ou bien faut au moins nous t'a essayé respecter ça qui dit dans la constitution. Qui opinion pour vous? Ça t'a respecté, faut nous respecter, et ça qui qu'on y a là qui dépassé, faut nous changer. Ça c'est clair. Ça m'a pas quoi qu'il y ait une discussion sur ça. Son discussion, son constitution, même quand le parti m'a appliqué après 30 ans, c'est clair que l'imandé, soit pour changer, soit pour s'y faire amendement à la manière américaine, et bien pour faire très sérieusement. Les États-Unis, pas j'aime changer constitution. Mais les États-Unis, au fil du temps que ben, va évoluer, l'Amérique va évoluer, ils font des amendements. Signalez. Donc, quand on est qui formule, qu'il n'a pas adopté. Mais cependant, ça me commence à être fait là, là au niveau du Parlement. C'est comme Zimdad où on dirait que les parlementaires sont les premiers, ceux habilités à parler de changement de constitution, de travail sur la constitution. Je ne crois pas que les gens aient ça dans la tête, je ne crois pas que tu es assez fou pour penser le tout. Parce que ce n'est pas qui concerne la vie nationale, ce n'est pas qui concerne tous les secteurs. Moi, j'ai tant de députés, je ne sais pas qui est-ce qui parle matin, son radio-sœur. On dirait ouais, que vous commencez à vous sentir ça. Ça veut dire, c'est vrai que vous avez au début, de fonds bagailles en sec fermé avec les gens qui sont proches, il n'est pas capable. Il faut que son démarche soit ouverte, que tous les secteurs de la vie nationale bah, suggestion. Yo. Il faut que son bagaille soit bien pensé pour ne pas sortir des zones où on va être en bas à la rue des Préval. Très bien. Bon. Nous parlons d'un dossier qui est extrêmement important que pays un beaucoup qu'arrive saisi mon yon ti j'ai pas comprendre tellement gen de l'autre détail hein et sénateur qui gen problème lecture député qui gen bay tête en bas comme si gen des vrais problèmes sérieux et que nous pas poser surtout politique régionale là on a regardé par exemple OEA aujourd'hui hein, qui prend des résolutions qui souhaitait pour que Venezuela pour retirer Venezuela de l'OEA, Haïti c'est membre fondateur de l'OEA, gade un bon bail qui a échappé la jeunesse. Et position à Haïti, hein, ou bien selon vous-même, ça OEA cherché véritablement. Mais pour le public, là, même comme ça pour un petit temps pour expliquer Mounio, on appelle sous OEA et ça qui a passé là aujourd'hui, hein, là, selon vous-même, avec résolution ça. Qui sorti pour mettre Venezuela dehors dans et organisation. Bon, pour faire vite et bien, l'OEA, c'est une organisation que pendant longtemps, que l'Amérique était contrôlée. Tellement contrôlée que le dirigeant était Cuba dehors, le Cuba fait révolution castiste là, à un point tel que Castro était contrôlé le ministère des colonies américaines. Mais au cours de ces dernières années, l'OEA vient de plus en plus gagner la donne des pays côté des gouvernements de gauche, la donne. Ça veut dire qu'on prend le PLD en République dominicaine, on prend le gouvernement coréen en Équateur, Chavez en Venezuela, Morales en Bolivie, Kirchner en Argentine, Lula au Brésil, Bachelet au Chili, et comment les jeunes hommes ont encore quitté en Uruguay, dans mon nom. Donc, on vient de gagner en prédominance des gouvernements de gauche qui viennent faire que l'Amérique vient de perdre du contrôle. On n'a pas les points comme. Très bien. Maintenant, avec le temps, vont changer. Ça veut dire que qu'on y a là, on gagne un retour de gouvernements de droite, que ce soit en Argentine, que ce soit au Brésil. En Équateur, ça beaucoup clair. Au Venezuela, ça aussi, genre, il y a un problème. Et dans d'autres pays, qu'on y a là, aux États-Unis, tout,
ou vin sorti non gouvernement capable de libéral, qui est le gouvernement d'Obama, un gouvernement, mais vraiment franchement à droite, qui est le gouvernement de Trump, qui a essayé de reprendre en main l'organisation ça. Ce qui veut dire donc, ils voulaient mettre l'OEA sous contrôle. Jean Salté, autrefois, et ils visaient un ennemi direct, c'est le Venezuela. Parce que je me connais, pendant quelques années là, Chavez avait pour sous ce pétrole là, dans quatre programmes Petro-Caribé, dans quatre d'Alba. Monsieur l'Américain a un pile problème. Ça n'a pas empêché que pendant l'Amérique, il y a un problème avec là. Américain toujours continue à acheter pétrole dans le Venezuela jusqu'à présent. Pendant ma parole là. Jean Bar la dit, c'est moins grand monde, c'est moins qui doit bien à monde, moins vlé. Paul n'a pas les donc même si monde mourir, si je ne dois pas bien à bien, tel ou pas bien à bien avec elle. C'est ça lié. Maintenant, là, nous regardons les relations Haïti-États-Unis, sont relations depuis une centaine d'années qui ont relation de domination. Là, nous regardons les relations Haïti avec Venezuela. Depuis Petro à Bolivar, son relation de coopération. Et deuxièmement, tout, en matière de politique et de droit international, y a l'État pas la passion l'autre État l'autre pour dire mais qu'avec qui nous nous bien, mais avec qui nous nous pas doué bien. Et deuxièmement, l'OEA tout lui-même, les gagnants comme devoir pour lui respecter principe fondateur, à savoir que tout pays d'Amérique latine mais l'organisation par exemple, a fourré bouche-li dans la vie politique qui ont l'autre ont pays membre, encore moins pour dire forfait élection, la caillou à tous les niveaux, de par exemple, tout doit ça. Donc, du point de vue des principes, Jean ambassadeur d'Haïti à M. Avel Jean-Baptiste rappelle, du point de vue des principes, dans le discours là, Haïti a totalement raison. Premier bagage, son insulte, effectivement, que le secrétaire général de l'OEA font document en anglais, alors que les quatre langues de l'OEA sont les langues des pays de l'Amérique, à savoir l'anglais, l'espagnol, le portugais et le français. On va faire la carte bancaire. Donc, c'est une dérogation à la charte fondamentale de l'OEA. Et deuxième violation encore de la charte, on doit camper pour dire. Mon pays, on gouverne mon pays, faut retirer quoi pour faire élection faite. C'est pas rédo à ça. Et est-ce qu'on pense ces décisions ça, en fait, la prise de position de l'ambassadeur d'Haïti à l'OEA, c'est la décision du pouvoir d'Haïti ou bien du gouvernement haïtien ou bien son bail unilatéral? Bon, ça veut dire pas quoi qu'un ambassadeur a pris une chance pour une position comme ça. Sans consentement président de la République là. D'ailleurs, selon la Constitution de Palais d'Alvéa, la politique étrangère haïtienne est la chasse gardée du président d'Haïti. C'est sur un endroit que la Constitution bat un président. C'est-à-dire, c'est lui qui bat ligne politique étrangère. C'est lui qui nomme le ministre des Affaires étrangères, directeur général là, avec tout ambassadeur, tout consul. Pour pas mon ambassadeur pourrait qui parle pour la chance, pour une position comme ça, sans que président de la République, président par roi. Entre les États-Unis et le Venezuela, deux pays qui, dans le niveau par eux, supportent Haïti, est-ce que vous pensez que nous ne sommes pas supposés réfléchir en pile avant que nous prenions position que nous prenons là? Bon, je pense que vous prenez réflexion. Je ne pas arrêter de prendre comme ça. Parce que de toute manière, vous avez une question de dignité pour un pays. Ou pas accepter. Bon, d'ailleurs, c'est même pas le gouvernement américain qui m'a dit ça. Le gouvernement américain n'a pas aventuré allemand d'un bagage comme ça, parce que le connaît que réponse si t'as besoin non, il t'a fait soufflette dans la figure président Trump. Ils ont fait, ils ont sénateur Floride, qui est le Marco Rubio, qui sont descendants de Cubains. Qui te quitté Cuba, le Castro pour pouvoir. Signal FM. Mounsaï, le rive notre bois. Comme Amérique n'est pas de servir à Castro. Je veux tout avantage comme possible et imaginable. Et puis, on vient plus blanc, pas blanc. Paul n'a pas les points. Donc, c'est avec Moun Gonza, donc, que blanc trompe servi.
sans doute pour le faire pour parler en causer qu'elle pas préchance parler. Monsieur lui-même, comme bon colonisé, comme dirait Fidel Castro, comme Védéte, comme Goussano, l'accepter à le faire job ça là. Ou la zion bagaille que le compte très bien, qu'aucun gouvernement sous la terre, pas passé sans honte, pas passé fou pour la dit l'autre gouvernement, qui me parle bien un tel, sous al bien un tel, sous continue bien un tel, m'a prétiré tout ça, m'a dégainé pour m'a qui me compte barre. Non, ça n'a pas jamais fait, ça n'a pas fait comme ça. Et vous voyez que, effectivement, c'est Marco Rubio qui fait deal. Mais le secrétaire d'État américain n'a pas dit, encore moi, Donald Trump. Jamais, il va me dire ça. Parce que pour Marco. Attention, ce n'est pas avec moi de parler, pas avec moi de parler comme ça. Son sénat, qui dit ça le français, qui dit qu'elle t'a souhaité, etc., que vous devez comprendre. Si vous voulez que les États-Unis aient mieux, vous faites voter contre Venezuela, même pas dit nous voyons comme ça. Non, pas. Et monsieur, il dit avec. En tout cas, grand pays compatriote qui est États-Unis, dans le cap des États-Unis d'Amérique, dans des conditions irrégulières, qui au même quoi que et là, Haïti n'a pas fait le bon choix, puisqu'il était supposé penser avec eux. Bon. Non, mais est-ce que vous avez opinion sur ça? Je pense que. Faut comprendre nos bagailles. Haïti, si faible que lié, Haïti quand même son l'État. Et même si qu'elle est on dit, même s'il vient de dignité quand rien, mais il fait pour qu'on reste sans dignité. Donc, on position que l'État, si faible soit-il, si rien soit-il, il n'est pas qu'à admettre qu'on monte par la velle, encore moins son simple sénateur. Soit accepter ça, et mais tout le monde est mort déjà. Tout est fini. Donc, on est à la feuille, même l'autre bois qui vous connaît, on est à la qui choisit à faire. Parce que depuis longtemps, que les gens qui étaient dio, Trump, son phénomène qui a développé, mais ça l'a toujours dit, que le Parti démocrate a fait le mauvais choix en coulant Bernie Sanders et en montant Hillary Clinton. Donc, tout affrontement Hillary Clinton contre Donald Trump a bien, tout analyse qui crée dit ça. Donc, il y a même qu'à vivre légal depuis longtemps sous terre ça, ou bien depuis plein de bas qu'on est, je te connais que c'est qu'on a venu. Donc, c'est eux pourquoi nous avons fait. Très bien. Bon, pour ça, moi, édifié un pile, monsieur, que publiquement l'y édifié, il comprend position haïtien. Et, mais pour nous garder bien, est-ce que position haïtienne, il y a des gens qui ont dit, c'est parce que Venezuela, dans le dernier moment, il y a eu un peu de support, et mis à part de Petro-Caribé, mais on est Venezuela vini, et il y a implanté pour nous plusieurs centrales électriques, plusieurs centrales électriques, ça a eu tout quand même, et comme haïtien, nous pas t'accablier. Bon, pas quoi que l'ingratitude sont qualité liée. Si on veut prouver que l'ingratitude sont qualité, eh bien, ça, je me fais qu'on fou. D'ailleurs, je songe, le président Michel Martelly était dit un bagaille, que je me trouve que c'est très fort. Et si je me suis en place, je me suis dit. Je me suis dit que aide Venezuela, bas Haïti, à jamais mon pays, bas l'île. Elle te dit ça, je me dit, ah, ça, je n'ai pas besoin d'île. Mais opinion pas, parce que je me connais que ça va pas choquer l'Amérique. Elle dit lui. Non, Michel Mandel, il dit tout parce que lui, il veut jouer ni tout. Ah, naturellement, c'est ça qu'elle dit. Que non, lui, il veut sous lui comme personne. Oui, bien sûr. Donc à ce moment-là, ça me dit, je trouve que même politiquement, c'était une erreur. Parce que justement, dans 5 ans, parce que 2,5 milliards, hein? 2,5 milliards, et bien, il y a ça. Non, n'est pas ça, n'est peut-être calé, il y a une raison pour être content. Aide-la. C'est évident. Oui. C'est évident. Kounia, on fait un petit rentrer là, quand nous très rapidement, pour nous capables de comprendre un petit bavé. Deux dernières questions avant d'aller, mais on a l'autre sujet. Et moi, songe, ou t'es. Permettez-moi de dire comme ça, je songe que
ou te gen ti parlé avec Jovenel Moïse, président de la République là. Me connais que ou en fait pour l'opinion. Dis-moi comment ou est Jovenel Moïse là? On dit environ 3 mois, puisque d'ici semaine prochaine, monsieur a bien 2 mois. Et 7 février, monsieur monté. 7 mars, ça fait 1 mois. 7 avril, il fait 2 mois. Excusez. Les premières actions de Jovenel Moïse, comment vous avez-vous? Qui opinion sous touche, monsieur, déplacement, décision, comment vous avez-vous? Bon, tout d'abord, il faut me dire que la première fois que je croise Jovenel Moïse, c'était une émission de la Télémétropole qui était face au public, côté de constituer plusieurs candidats. Bon, après ça, signal FM. J'ai eu l'occasion de rencontrer monsieur, parler à monsieur quelques fois. Mais maintenant, pour répondre directement à la question, pour moi-même, Jovenel Moïse, c'est un prisonnier. On est à l'âge que le prisonnier volontaire, c'est lui qui a répondu. Parce que le nom Moïse, président de la République, dans la condition qu'on vivait là, avec un parlement, ça peut exercer une forme de dictature qui est une forme de chantage en permanence. Et comme je lis même tout, et commettre des erreurs dans la relation avec M. parlementaire, pour me déployer le programme là, c'est vraiment beaucoup. Il faudra beaucoup de souplesse. Et beaucoup de travail. Donc, quitte le programme, là. C'était dit que c'est pas le marier le soleil, la terre, l'eau et les hommes pour relancer la production agricole, pour bien travailler, pour bien manger, pour exporter, pour rentrer d'eau là, pour faire goût de la baisser, etc. C'est bien. Mais comment le faire avec une équipe que vous obligez pour former, le faire des concessions majeures à ces parlementaires qui ont exercé véritable pouvoir de maître chanteur. Ça, c'est le gros défi. Moi-même, bagage d'eau, pour moi-même, pas qu'on est, si monsieur a levé des filles. Mais, bon pays, on paye, quel que soit le pays, il y a deux bagailles, sans eux-mêmes, le pays n'a pas mal aucun côté. C'est la production, qui pour créer richesse, qui pour bien travail, et c'est l'éducation. Souvent, c'est ça, par exemple, ce que nous faisons là, on continue à faire mal. Sauver les productions et l'éducation, d'un mot plus clair. Production Michel, par exemple, sous choisir pour du na, agriculture, agro-industrie, industrie, tourisme, etc. Pour produire richesse. Sinon, on va venir du mal, on va venir du misérable. Mais maintenant, est-ce que monsieur, quelle attitude pour l'entourer vraiment d'une équipe qui est capable? Ou équipe qui poulit, ou équipe qui travaille, bon, moi je pose un gros point d'interrogation là-dessus. Deuxièmement, oui. Et deuxièmement, qu'on y a là, c'est sur l'éducation, qu'on aime se hériter de problèmes à faire bagaille, matérialité faire dans l'éducation, à faire sucre, tout le bazar, tout gaspillage qui fait justement. À cause du chantage que M. parlementaire a fait, dès que tombé crayon paquet de l'école pour manger l'argent sur Goa, les écoles pas même existaient. Et on y a là, le gouvernement n'a pas dit rien parce qu'il a dit, sous dit mon bagage, m'a voté contre pour le parlement, m'a destitué, m'a fait impeachment. Et puis, il a retrouvé au prisonnier. Maintenant, nous avons fait des poupées, que quel que soit le gouvernement, comme on y a assez sa Jovenel Lacla, que réussit, remettez pays ça au travail. Ça veut dire, refaire le produit. Revoir le système éducation. Et puis, avec ça, bon, mettez infrastructure pour bien, avec monde, avec corps capable de circuler. Si M. réussit, fait, disons, le quart de samedi là, bon, en 5 ans, eh bien, nous sommes capables de dire que M. plus ou moins font bagaille. Plus ou moins où est l'équipe gouvernementale là, Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, où est Minicio. Bon, est-ce que vous pensez ressources humaines ça, monsieur Guénan maintenant, avait dit, moun ça yo. Quelque bon, c'est vrai que grand pile là-dedans c'est des inconnus. Et vous pensez avec ressources ça, il y a possibilité pour que
objectif monsieur yo, vision yo atterri véritablement puisque les discuter ou ensemble avec vous. Bon, il va discuter ensemble avec parce que Malon fait partie de l'équipe Jovenel. Même dès qu'on a rencontré que deux, trois, quatre fois pour discuter, chercher quelques idées, c'était tout. Même Benjamin dans l'équipe monsieur. Bon, mais déjà, moi, je dois te dire une chose. J'en dis à l'équipe, monsieur, il y a deux problèmes. Premièrement, je ne sais pas qu'on est inconnu, je ne sais pas ça est vous. Ce n'est pas parce que je ne sais pas qu'on est qui fait que vous. Bah bon, je m'a dit ça. Mais dans ça, nous connaissons déjà, j'étais une équipe Matélia, et bien, il y a là-dedans qui était passé pour des grands gaspilleurs, il y a là-dedans que nous même cité dans les mauvaises affaires. Dans ce dépôt, pour monsieur, dans ça, nous n'avons pas cité la dame, dans ça qui est connu, que le gars là, que le cas vraiment compté sur eux pour le faire mon travail. Signal FM. Et en football, on dit, on ne change pas une équipe qui gagne, mais l'inverse est aussi vrai. On n'a pas les points comme. Certainement, on change une équipe qui perd. Non, comme équipe, ça ne peut pas perdre du tout. Parce que gagner, c'est conception, c'est comment on est là ou même comme acteur. Bon, je parle en tant que citoyen haïtien. Ah, ok, d'accord. Moi-même, gagner, hein, c'est mettre le pays ça au travail. Ok. Pour du richesse, pour ne pas consommer, pour ne pas exporter, pour ne faire de l'entrée, pour goût de la baisser. Et puis, changer le service éducatif, moi-même, pour comme citoyen, ça m'intéresse. Parce que, quel que soit le citoyen, il n'y a pas d'intérêt pour que, quel que soit le gouvernement, échoue. Et pour le gouvernement échoué, ou même en tant que citoyen, après avoir vécu mal. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pour moi, ça veut dire que même si vous ne pouvez pas voter pour un président, mais si vous avez fait bon travail, et que vous avez commencé à travailler chez sa produit, pour une amélioration, mais vous faites pour dire, ah, mon cher, en tout cas, monsieur Fonbaye, qui fait me rallonger, on souffle. Même si j'ai tout souhaité voter, on est, on dépense de la balle Fonbaye, et pour une étage de Gilbert Labrunin. Mais il faut que le courage, dit mon cher, on a passé. On n'a pas les points comme. Ouais, si tu votes, là, c'est coupé, je ne vais pas couper. Mais si tu es capable de couper. En tout cas, professeur, moi j'étais content de faire ce causer avec vous. Bon, moi, je mettais accent sur deux éléments extrêmement importants là, pour un pays capable véritablement développer. C'est la production et l'éducation. Ça, c'est deux points forts. Monsieur que Herbert Joseph qui est dans l'éducation, je parle de ça souvent, faut que l'éducation, faut que nous éduquer, faut que nous former. Mais il y a un auditeur qui m'a demandé pour me poser une question ça pour lui. Est-ce que la position haïtienne dans le dossier OEA Venezuela, est-ce que nous pas payer conséquences là? En disant ça, m'a posé une question. On a 100 ans qu'Américains fait dominer le pays. C'est pas plus mal ou plus mal. On a 100 ans qui sont passés là. D'après vous, j'aime moins le monde qui monte au pouvoir dans le pays ici. Sans volonté américaine. Ça, j'en fais pour vous. Pour si vous, après 100 ans, vous tirez réaction de dignité, qui problème là? On a toujours aimé gagner des mondes qui ont valé toute couleur. Non, même. J'aime à la dire, dis diable bonjour, la bonjour. Pas dis diable bonjour, la bonjour. Donald Trump, déjà d'où? À sa aide au développement, c'est bon bagaille qui n'a pas programmé. Dis tout, les faits, même elles. On va pas le passer là. On va le beau pont être mis, c'est pour la gueule pour. Et puis, il y a un auditeur à l'étranger qui dit comment vous-même, vous avez gagné un ouvrage là. Bon, tout d'abord, si vous avez mon en Haïti, yo capable voler au monde dans votre signature vendredi et samedi dans cette culturel Brésil Haïti de 9h à 4h sous Black Boyer, c'est à 150 c'est à 1500 gouttes. Deuxième bagaille, ben pour initiative là côté organise sous qu'on est grand pile haïtien là qui est intéressé et mais organisons conférence m'a venir avec Livio et puis là font belle conférence avec votre signature d'habitude c'est ça déjà New York, Chicago, Boston, Montréal, et Miami, Fort Lauderdale, on va de bon côté, et Paris, Guadeloupe. Allez, pour l'initiative, non. Moi, je n'ai pas de problème. C'est ça. En tout cas, moi-même, et bon, par contre, soit un numéro de contact ou bien après, tu me fais jonction. Hein?
Oui, parce que 10 à 15% très intéressant, la femme du bien. Merci un peu, professeur. Pas de problème, mon frère, bonne nuit. D'accord, okay. Bonne nuit, merci un peu. Nous allons aller du Gounia là, ok? Bon dieu.